Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? Il est où le jungler? Ah bah. You're not so big. Life is oui, on va péter la game. Oui, let's go, c'est parti. Yes, I. Salut tout le monde, c'est Okonet, bienvenue sur League of Legends. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau champion que je suis en train de m'entraîner avec. Et d'ailleurs, on est en stream aujourd'hui, lien dans la description si vous voulez voir le stream en live. On va s'entraîner avec Jarvan. Je cherchais en fait un champion qui peut se jouer mid-support et qui soit AD. Et qui soit fun. Et qui soit un petit peu kikoulol en mode... Si je pars full AD létalité, franchement, je peux one-shot tout le monde, ça va être trop drôle. Jarvan, franchement, Jarvan, c'est le meilleur pick et je m'amuse comme un fou depuis deux jours. Là, je suis censé faire un montage, je m'amuse beaucoup trop. Du coup, vous allez voir la game, même s'il n'y a plus la merde de la game, je m'en fous, je fais un montage de cette game, ok? Bon, il y a de fortes chances que cette game ne pue pas la merde dans le sens où... merde, on est full AD. Ok, elle va puer la merde cette game, mais c'est pas très grave parce que... Il y a une Sona en face avec Exhaust, l'adjoint. C'est pas grave. En gros... Ce que j'aime trop avec Jarvan support, bon déjà c'est un peu exotique, en vrai t'en vois pas souvent des Jarvan support. Et moi j'aime bien les trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire, voilà, tu peux surprendre les adversaires, etc. Ok, on parle du skin deux secondes, il est dégueulasse, mais c'est ça qui est bien, il a des flingues sur les épaules les mecs, il a des flingues, il pourrait les utiliser, non, non, il a une putain de lance qui fait 3 mètres, on s'en bat les couilles. Bref, Jarvan support, pourquoi ça me fonctionne et pourquoi ça fonctionne aussi à la mid lane? À la mid lane, pourquoi ça fonctionne? Il a un bon setup de gank, et ça farme plutôt bien, il peut surprendre, il a des bons combos. C'est un mec qui peut se jouer assez full AD, un peu assassin, donc c'est assez rigolo. Laisse-moi tanker un coup, ok. Vas-y, voilà. Allez, on s'arrache. Donc mid lane, setup et tout, ça farme plutôt bien, c'est correct. Ça passe. Et en plus, il a un bon petit roaming. C'est correct. De toute façon, vous allez en voir pendant ma progression. Et voilà. Et en support, pourquoi ça fonctionne? Parce que bon, déjà, t'as ton flag qui donne de la vitesse d'attaque. Tu peux engage. Tu peux ralentir. Tu peux contrôle avec EQ. Tu sais, tu peux contrôle même si tu vois ton ADC se fait engage par un Udyr ou quoi que ce soit. Bah, tu peux le contrôle. Donc, c'est plutôt assez intéressant. Et en plus, t'as plein d'assists avec Jarvan parce que tu mets ton E, ça booste tout le monde. Tu peux faire facilement des objectifs. Enfin, bref, je trouve ça assez stylé. Ok. On est niveau 2. Il nous respecte. First Blood pour nous. C'est très bien. Les deux junglers à la mid lane. Là, il nous respecte tranquille. Avec Lucienne, j'ai pas encore testé Jarvan support. Ça marche très bien avec Vayne. Hein, je ult, FE, le mec est stun, c'est génial. Ça marche très bien aussi avec Miss Fortune, du coup. Tu R, FER, tout le monde est emprisonné, c'est génial aussi. Et bon, après, ça peut être des trucs un petit peu plus... comment dire? Tu peux jouer avec une Poppy support, par exemple, aussi. Ça peut être intéressant. Pareil que Vayne, tu vois, ça peut stun à travers le mur. Il y a plusieurs trucs intéressants à faire. Bon, là, c'est un petit peu chiant parce qu'en fait, on a mis la lane où je peux pas faire mon combo parce que je vais me prendre des coups de tour, en fait, si j'engage trop loin. Et du coup, c'est un petit peu relou. Au niveau des runes, j'hésite encore. Il y a pas mal de runes disponibles avec Jarvan. La plupart du temps, c'est Electrocute. Pareil pour le build. T'as plusieurs possibilités. Ça dépend... Ok, je l'ai eu avec le E, très bien. Moi je suis plus là si ça engage sur lui, mais en vrai, faut que ça... Voilà, c'est très bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils nous push la lane. Comme ça, je vais pouvoir faire des combos plus intéressants. Ok, je vais être niveau 3 juste après ce sort-là. La Sona, par contre, elle fait peut-être la ouf, mais elle risque de prendre très très cher. Hein. Ok. Donc là, je savais en fait qu'il manquait un minion pour monter de level. Et en faisant le combo, j'avais vu que le minion, j'allais l'avoir avec le combo en même temps que Sona. Du coup, je suis monté niveau 3. Je joue avec Ignite, du coup, ça allait très vite. Alors, je sais même pas si elle exo, je pense que oui. Très bien, très bien. Non! Kill him! Oh, trop dommage. Bon, là, j'ai une stack, je vais le prendre pour le canon. Eh, mais elle veut le canon, hein. Yes, on lui a fait D9 deux canons, c'est plutôt bien. On prend la petite popo. Par contre, moi, j'aurais pas le canon non plus, du coup. Attends, tape pas, je vais l'avoir, en fait. Ouais. Yes, parfait, ça. Hop, j'aurais peut-être pas dû taper, peut-être qu'on allait pouvoir freeze. À moins que la Vayne a back. La Vayne a back. On est bien, vous voyez, genre... C'est bon, c'est peut-être pas la meilleure game de Jarvan support, mais normalement, des fois, tu peux la stomp, la lane. Mais vraiment, tu peux la détruire. Là, en vrai, on voit pas grand-chose. Je poke un petit peu... Bon, mon POC, c'est
on est sur du POC de merde, hein. On n'est pas sur du POC de Zyra, on n'est pas sur du POC de Brand, ou de Xerath, et encore moins de Talia. Bah, Talia, c'est même plus du POC, là, c'est du... C'est du one-shot. La Ward, est-ce qu'elle est partie? À skip, ouais. Il y arrive. Hop, premier kill. Ouf. J'aurais pu faire le combo. J'ai envie de faire le combo. Ok. Il y a eu un heal. Il y a même pas eu de heal, donc c'était risqué. Ok, vous pouvez faire un combo avec Jarvan, c'est le EQ et le flash. Il faut vraiment attendre pour le flash, tu attends vraiment de toucher la lance en fait avec ton E. J'ai pas trop envie d'y aller là. Mon ADC a plus de mana. Il a envie de back. Attends, je vais juste lui donner ça. Ah, je peux même pas. Bon bah le seum. Allez, je me barre aussi avec lui pour être dans le même timing, sinon c'est de la merde. Parce que si je pars full létalité, le seul truc bien... Ah mais on est full AD du coup, c'est de la merde. C'est que tu vois, je mets beaucoup de dégâts et je fais peur. Et ça laisse des ouvertures pour mon autre équipe, mais je suis un petit peu en mode kamikaze. Mais c'est un petit peu le gameplay que j'aime bien avec Kha'Zix. Jarvan. Ok, ça met quoi? Ça met du 15%. Je vais mettre une contrôle ward ici. Comme ça, je peux surprendre peut-être avec un petit combo. Elle a une contrôle ward, ok. C'est utilisé. Hop. Le problème, c'est que si je ult la veine, elle peut tout simplement me E dans mon ult. C'est un peu chiant. Ah ouais? Ah bon? Oh, le bâtard. Ah, si je savais qu'il allait mettre autant de dégâts en vrai, j'aurais peut-être pu y aller. On n'a pas d'info mid jungler, c'est un peu chiant. Je sais pas non plus si elle a un flash. Bon, là par contre, je peux un petit peu. Je pense que je peux faire un petit peu plus le fou déjà. Oh, ok, j'ai la grotte de la tour. Ah, ouais, c'est compliqué. Control ward, oui, on peut changer de trinket aussi. Let's go. Du coup, je n'ai pas eu le temps de faire mon ultime. Est-ce que j'aurais dû. J'étais à une auto-attaque de mourir, peut-être. Ça aurait peut-être pu déboucher sur un kill. On part évidemment sur une Draktar. On est évidemment là pas pour pile. On est là pour mettre des patates. Des patates de fourrin. C'est-à-dire que là, on fait quoi du coup? Me mets pas à travers le mur, c'est de la triche. C'est de la triche, go. Ok, j'ai un ultime soon. Et tu sais quoi? Elle le sait pas. Boum. Donc là, évidemment, c'est pour ça que tu prends des kills pour assurer ce genre de move. Là, elle a bien utilisé son ultime. Et encore, Vayne, bah, c'est un des ADC les plus chiants contre Jarvan, bah, jusque justement. Bah, ah bah, quand tu fais ton ultime, elle fait Et t'es dans la merde. Ah, vous savez quoi, je vais même prendre des bottes de pour aller vite. Oui, on niveau respect, quand t'es bien dans ta game, tu peux partir full létalité avec des bottes de mobilité. Mais là, niveau respect, c'est... Bon, c'est comme si tu portais une casquette avec un gros doigt d'honneur dessus et tu te baladais dans la jungle, tout nu, mais... C'est fun. Après, fais attention. S'il y a trop de tank en face, évidemment, évite la létalité. Si t'es full AD dans ton équipe, évite la létalité, tu comprends le délire. Wesh, y a beaucoup de trucs ici. 15 secondes. Ok. Bonjour. Il a un E, ça sert à rien que je fasse mon combo. On ward ici. Est-ce qu'on peut prendre en octogone le top? Oui, on va le détruire. Ah mais c'est Mundo. Je fais mon ultime parce que j'ai eu peur qu'il ait... Let's go, j'avais encore mon flag. J'ai ulti parce que j'ai eu peur qu'il fasse son ultime. Qui régène énormément. On n'a pas de réduction de soins. J'ai pas d'ignite. Sont ça de la merde. Ah, c'est bâtard ça. Ouais, la flamme d'Aid Chase. Oh! Get wrecked, kid! À moi! Oh, j'ai fait activer l'électrocute avec mon bouclier. Mec, j'ai tué un mec avec mon bouclier. C'est pas trop swag. Le kill bouclier, je le fais pas souvent. Ah, ça FF. Ah bah, je vous avais prévenu, les gars, c'est du snowball.
Ah, c'est du snowball, Jarvin. Donc voilà, c'était la game. Bienvenue dans cette vidéo qui a duré 3 minutes. Je devais vous convaincre que Jarvan Support, ça se joue. Que ça sorte un petit peu de l'ordinaire. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas très méta et que vous avez juste envie de vous amuser, Jarvan, c'est vraiment fun. Même si vous savez pas jouer Jarvan, c'est un champion très accessible pour vous. Vous pouvez le jouer partout. Et ça, j'adore ces champions. Ciao les amis, et à tout de suite. Et à très bientôt. Ciao, bye.